En manchette, aujourd'hui, une fête des neiges fort bien réussie à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information locale et régionale sur les ondes de CTRB, aujourd'hui le 13 février. On débute ce bulletin en vous parlant d'une activité qui a retenu l'attention à Berthierville samedi et dimanche, donc la fin de semaine avait lieu dans le parc. Cette activité avait lieu dans le parc Sainte-Geneviève. On parle bien sûr de la Fête des neiges, première édition, une activité de deux jours organisée par la ville de Berthierville. Les gens ont eu droit à de nombreuses activités dans le parc Sainte-Geneviève. La météo était de la partie, il faisait très beau et les citoyens ont répondu à grand nombre. Donc, on parle d'une réussite. Et on regarde, on a la preuve de cette réussite en image. On regarde l'extrait. C'est ça, Berthier. Hein, le jeu commence juste dans 15 minutes puis déjà on se réchauffe. C'est bon, ça? Salut les gars de la caravane! Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Super! Puis vous avez des beaux toutous. Je les aime, vos toutous. Merci! Donc, bravo à l'organisation. Vendredi prochain, l'église de Lavaltrie, à cet endroit, aura lieu le concert de Jesse McCormack, auteur-compositeur qui vient de lancer un tout nouveau disque solo. On écoute l'entrevue qu'il nous a accordée. En compagnie de Jesse McCormack, qui est un, pour dire un multi-instrumentiste, quelqu'un qui fait de la musique électronique, et tu vas être en spectacle à l'église de Saint-Antoine à la Lavaltrie le 17 février prochain. Merci de nous accueillir, de nous parler ce matin. Jesse,
Tu veux-tu me parler un petit peu en commençant de ton parcours? Tu me disais tantôt que tu étais guitariste, peux-tu me dire qu'est-ce qui t'a amené à faire ce genre de prestations? Moi, je suis passé par plein de trucs. J'ai fait beaucoup de. Plein de styles. Là. Tu sais, j'ai fait de la musique plus folk, acoustique, rock, mais là, je me dirige plus vers une tangente de musique électronique qui est plus, je dirais, indie électro. Oui. Plus dansant. Plus dansante et tout. Et ouais. Là, c'est ton deuxième album que tu présentes, que tu vas présenter à la Vetterie. Ton inspiration, tu me disais tantôt, c'est quoi un petit peu ton processus d'inspiration, de création? Peux-tu nous en parler un petit peu de qu'est-ce que tu fais? Tu veux dire mon processus d'écriture? Moi, d'écriture, oui. Souvent, je ramasse des idées dans mon téléphone, des paroles, puis quand je sens que j'ai quelque chose, ben, puis en parallèle, ben, je vais créer de la musique. Puis quand je sens que j'ai des bonnes idées, ben là, je vais merger tout ça ensemble, puis okay. De là, naît des chansons. Et tu fais de tous les instruments, donc tu rajoutes, qu'est-ce que tu me dis, c'est que tu as une idée, tu pars sur un thème ou quelque chose, un beat, puis par la suite, ben, tu fais de tous les instruments, tu permets de tout rajouter. Parce que je regardais tes clips là, que tu as sur ton site, par exemple, comme solo, il y a quand même 4-5 personnes là, qui participent à ça. Donc, chacun s'est venu s'imbriquer dans ta composition, dans ton inspiration. Ben oui, je travaille beaucoup tout seul. Tu sais, je fais beaucoup de. Je suis multi-instrumentiste, fait que je travaille beaucoup seul en studio, mais j'aime aussi beaucoup collaborer et avoir d'autres musiciens qui viennent donner leur grain de sel et leur touch. À quoi qu'on peut s'attendre avec. À qu'est-ce qu'on va avoir avec la Vetterie? Quel genre de spectacle on rentre là? C'est sûr, c'est une église, là, faut quand même. C'est un environnement spécial. Je ne sais pas si tu l'as vu, l'église, c'est magnifique comme endroit, mais. À quoi qu'on peut s'entendre? Tu me parles que c'est de la musique qui danse, qui bouge, tu attends que les gens bougent. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Puis c'est quoi ton feeling que tu veux nous donner? Moi, j'aime beaucoup quand ça bouge. Là, j'aime ça quand les gens sont. J'aime ça échanger un show. Je trouve ce qui est nice, c'est d'échanger avec le public. Fait que, tu sais, si les gens, je sais que c'est une église, là, tu sais, fait que. Mais faut pas le. Faut, mettons que le cadre est pas. C'est pas le fait que ce soit une église, donc c'est un cadre spécial, là. C'est un environnement qui résonne, c'est un environnement qui est magnifique, là, oui. Ouais. Mais est-ce que les gens vont s'attendre? C'est à quoi qu'on peut s'attendre? Tu vas présenter ton album, ton nouvel album solo. Tu me disais, tu vas te jammer, possiblement. Tu t'attends que les gens vont danser, se lèvent, bougent. Ouais, full. Okay. Je veux dire, c'est clairement un set qui bouge, là. Un set dansant, c'est sûr. OK. Puis, c'est quoi la pièce que tu es la plus fière dans le solo? C'est quoi que ton beat, c'est quoi ton... Quand tu joues celle-là, là, tu dis, ça y est, là, je m'éclate, je suis dans... C'est moi, ça. Je pense que je peux pas répondre à cette question-là parce que c'est comme... C'est pas à moi de décider ça, là. C'est quoi mon... T'sais, moi, je suis très, très autocritique de ce que je fais. Puis, t'sais, dès que le morceau est sorti, ben, il est plus à moi, puis moi, je suis déjà rendu ailleurs sur autre chose. Okay. T'sais, je suis pas. Je m'écoute pas en boucle. Non, pas de problème, non, mais c'est comme ta question. Puis, en terminant, mais là, tu étais à la Vetterie, mais c'est quoi tes prochains projets? T'es-tu en écriture pour un projet? T'es toujours en ébullition ou on va te voir à différents endroits par la suite? Ouais, en fait, je vais sortir de la musique là, dans les prochains mois. Et puis, mon disque dur est rempli de musique. Là, qui va, l'an prochain, je vais sortir plein de musique. Et tu t'en vas-tu par la suite, là, tu fais la Vetterie, mais c'est quoi les prochains endroits? Tu t'en vas-tu à Montréal? T'as-tu des grosses salles, des choses que tu prévois faire pour les projets? Ouais, j'ai un événement qui se dessine là, à Montréal au mois de mai, mais
mais c'est pas encore annoncé. Puis ça va être pour entourer la sortie de cette musique-là là, dont je parle, là, qui va sortir. Bon, ben d'accord. Bon, on va souhaiter bonne chance. On va espérer, on va aller te voir au mois de février à la Vetterie. Une belle soirée. Si vous voulez, si on veut se réchauffer, si on veut se mettre dans une ambiance plus, je ne sais pas dire groove, jam et tout, plus électronique, je pense que c'est la place là, qu'il faut aller pour se mettre dans cette ambiance-là et vivre une belle expérience. Je te remercie. Wouh! Parfait. Merci. Alors, à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 13 février, le Centre d'action bénévole d'Autré désire souhaiter bonne fête à Denis Coutu. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 13 février. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Dans le but de contribuer à l'effervescence culturelle de son territoire, la municipalité régionale de comté de d'Autré a annoncé le lancement d'un nouvel appel de projet qui permettra à des acteurs culturels de se partager un montant de 15 000 $ provenant du Fonds culture et patrimoine de l'organisation. Les artistes, artisans et organismes intéressés ont jusqu'au vendredi 7 avril prochain pour soumettre un dossier de candidature. Afin d'être bien informés, les promoteurs doivent faire la lecture d'un guide d'attribution accessible au site www.culturepatrimoineautré.ca. Au même endroit se trouve le formulaire d'inscription devant être rempli. Il est fortement recommandé de s'inspirer des axes, orientations et objectifs de la politique culturelle de la MRC. Les candidatures sont reçues par courrier électronique à l'adresse suivante culture@mrcautré.qc.ca. L'objet du courriel doit être identifié par la mention « Appel de projet culturel ». Parmi les initiatives appuyées par le passé, notons des expositions, différentes formes de spectacles, des ateliers d'apprentissage de savoir-faire traditionnels, des ateliers de création pour la clientèle jeunesse, ainsi que des projets de documentation et de valorisation des patrimoines d'Autré. L'agent de développement culturel de la MRC de d'Autré est disponible pour donner des conseils pour la rédaction des demandes. Elle peut être jointe par téléphone au 450-836-7007, le poste 2525, ou par courriel à l'adresse suivante culture@mrcautré.qc.ca. Pardon. La MRC précise qu'il s'agira du seul appel de projet culturel présenté en 2023. Excusez-moi. On poursuit maintenant toujours en culture. La salle Frontenac nous revient avec une nouvelle programmation.
CTRB est heureuse une fois de plus de s'associer avec le Frontenac pour faire tirer une paire de billets par spectacle. On vous parlera des deux prochains spectacles. Le prochain, le plus rapproché, aura lieu le 11 mars. Donc, ce spectacle du 11 mars, on y entendra musique rétro par le groupe The Mells. Et le second spectacle, on parle du premier, le second spectacle aura lieu donc le 1er avril et ça sera un hommage à U2. Donc, pour gagner des billets, les deux billets pour le premier spectacle, on va débuter par celui-là. Donc, pour gagner, il faut téléphoner au 450-836-5103, 450-836-5103, indiquez votre nom et votre numéro de téléphone. Le tirage aura lieu le jeudi avant le spectacle. Même chose pour le suivant, mais ça, on vous en reparlera. Donc, deux billets disponibles pour le spectacle du 11 mars. Souper-spectacle, 18h souper, spectacle 20h, musique rétro avec Mels. Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autré, présente demain 14 février une petite vue. Donc, on vous invite au cinéma. Regardons la bande-annonce du film qui sera présenté au CABA. On en reparle après. Pardon, excuse-moi. Pas de problème. Jeune homme, vous suivez mon deuxième cours aussi? Ouais. Non. C'est... Non. Pourquoi t'es ici? C'est la première fois que je te vois comme ça. Elle est pas comme les autres. Tu peux pas comprendre. On a tous un lien à quelque chose d'incroyable. Y a-t-il la moindre chose que je puisse faire pour vous? Vous pourriez me tenir la main. Oh? Vous ne perdez pas de temps, vous? Intéressant. Céline, my heart will go on. Queen Bee. Tu bouges hyper bien ton corps. Je me sens déjà très proche de toi. Je veux plus qu'on soit séparés. Tu es sûr que tu sauras gérer? Je crois que je saurai gérer. Je veux pas que ça s'arrête. Chris. Rory. Moi, je t'en supplie. À peu près 2% de la population a ce genre de soucis. Compte tenu de vos antécédents médicaux, nous ne sommes pas optimistes. Si tu ne te bats pas pour toi, je te demande de te battre pour moi. Dans la gentillesse d'un inconnu, dans l'amour de votre famille. Je crois au fait que chacun d'entre nous a un but. Même si on ne le voit pas. Donc ce film, Deux cœurs, sera présenté le 14 février mardi. 13h30 au CABA, c'est un drame, c'est de la romance, bien sûr. Chris, un étudiant, a toujours vécu dans le moment présent. Il n'a jamais senti qu'il avait un but dans la vie jusqu'à ce qu'un jour, il heurte accidentellement Sam à la sortie des cours. C'est le coup de foudre pour lui. Quelques décennies plus tôt, un exilé cubain, Jorge Bacardi, rencontre une hôtesse de l'air nommée Leslie. C'est aussi l'amour pour eux. Même si les deux couples n'ont rien en commun, le destin a comme plan de les rapprocher. Donc, le film Deux cœurs, on vous invite à composer évidemment le numéro du CABA pour y assister. C'est gratuit, mais il faut réserver. 450-836-7122. Le prochain film, après celui-là, sera le 23 février. On vous en reparle dans un prochain bulletin. Allons à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autré. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant.
au CHRDL de Saint-Charles-Borromée le 6 février à 76 ans est décédé M. Denis Filot, époux de feu Jocelyne Champagne, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa fille Caroline. Il laisse dans le deuil sa fille Audrey Filot, Sylvain Saint-Yves, sa petite-fille Amie Filot-Rebman, Jean-Christophe Blain, son arrière-petite-fille Mia Filot-Blain, son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, des neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en toute intimité au Columbarium du complexe F. Thériault à Berthierville à une date ultérieure. À son domicile, le 8 février, à 46 ans, est décédé M. Benoît Laforêt, fils de feu Jean Laforêt et de Joanne Gervais, Normand Massy, demeurant à Montréal, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, sa sœur et son frère, Geneviève Massy, Jason Valiquette, Adam Massy, Marie-Pierre Lajoie, ses neveux et ses nièces, Ryan, Amy, Charlie, Emma Rose, Léo et Émile, ses oncles et ses tantes, Christian Gervais, Christiane Gervais, Chantal Gervais, Jean-Paul Mathias, Jocelyne Massy, Paulo Garofono, ainsi que ses cousines, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Lanaudière, le 8 février dernier à 71 ans, est décédée Mme Marguerite Gravel, épouse de Alain Rémillard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Hugo Rémillard, Geneviève Lessard, Patrick Rémillard et Magali Rémillard, sa petite-fille Noémie, Rémi, ses petits-enfants Angélique et Élie, ses filleules Sylvie Robert, Martin Majot, Julie Gravel et Marie-Ève Gravel, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Yvon Robert, feu Monique Gravel, Jean-Pierre Gravel, Monique Champagne, Marcel Gravel, Monique Sylvestre, François Gravel, Lisette Beloin, Claude Rémillard, feu Marie-Paul Harvey, Solange et Carmen Rémillard, feu Nicole Rémillard, feu Michel Valois, Francine Rémillard, feu Yvon Bérard, Diane Rémillard, Jacques Lebeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 17 février de 19h à 21h et samedi dès 13h30. Au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville, suivra un hommage à la chapelle du complexe à 16h. À son domicile, entouré des siens le 6 février dernier à 85 ans, est décédé M. Claude Noël, époux de feu Lise Saint-Germain demeurant à Berthierville et natif de Trois-Rivières. Il laisse dans le deuil sa fille et son gendre. Sophie Noël, André Chiasson, son petit-fils Xavier André Chiasson, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Jacques Noël, Marielle Saint-Germain, Roland Desbiens, Régent Saint-Germain, Carole Levasseur, Pierrette Hubert, feu Ludovic Saint-Germain, Pierrette Grandbois, feu André Saint-Germain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 18 février, dès 10h, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville, suivra un hommage au salon à midi. Par la suite, les gens sont invités à la salle du Royaume des Témoins de Jéhovah à 15h, au 102 rang Sainte-Philomène à Sainte-Geneviève-de-Berthier pour un discours funèbre. Monsieur Claude Noël sera inhumé au cimetière de Louisville à une date ultérieure. À la maison Adhémar Dion, le 6 février à 63 ans, est décédé Monsieur Pierre Lacourse, natif de Saint-Viateur. Lui a précédé Louise et Gisèle et laisse dans le deuil son fils Mathieu Lacourse, Mylène Auger, sa petite-fille Laurélie, ses frères, ses sœurs, Roger Lacourse, Réal Lacourse, Lise Ouellette, Bernard Lacourse, Suzanne Courville,
Laurent Lacourse, Bertrand Lacourse, Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Mondreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynn Roberge, ainsi que Claire Coutu, feu Benoît Allard, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 17 mars, de 19h à 21h et samedi le 18 mars dès midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville, rue Notre-Dame. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe dès 14h30. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer, donc qui sont acceptés au salon. Sur ce, on passe à la météo. Donc, ce soir, lundi, nuageux avec quelques flocons, c'est très doux. On parle de moins 1, ressenti moins 6 là, durant la soirée. Peut-être quelques brins de neige, moins de 1 cm. Dans la nuit, c'est un peu la même chose. On parle de moins 4, nuageux avec quelques flocons. 40 % de probabilité là, de neige, moins 1 cm. Mardi matin, on parle de ciel variable. Moins 3 degrés en avant-midi, ressenti moins 6. En après-midi, ciel variable, ça se poursuit, un peu plus de soleil. Le mercure est cependant à la hausse, on parle de 4 degrés, donc ça sera beaucoup plus doux. En soirée, passage nuageux, moins 2 degrés, ressenti moins 6. Durant la nuit, on parle de ciel variable, moins 5, ressenti moins 9. Donc, les prochaines heures seront très confortables. On termine par une petite information. Demain, on vous présentera un reportage concernant la Maison du pain d'épices. C'est à Saint-Jean-de-Mata. Donc, le rendez-vous des becs sucrés et des amoureux de livres, la Maison du pain d'épices. On parle que pendant la relâche scolaire, la Maison du pain d'épices, située rue Louis-Cyr à Saint-Jean-de-Mata, vous confie à une programmation bien garnie. Fait que demain, on se déplacera, on entendra quelqu'un des gens de Saint-Jean-de-Mata nous parler de la Maison du pain d'épices. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 13 février. Alain Bellumeur au pépite qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin sur les ondes de CTRB. À demain! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.